I have to be careful, but I'll say Matuidi. You know, I like people that are dedicated to what they. Quanto riguarda Blaise Matuidi, Matuidi un po' vagabondo, però insomma va bene. No, ma non è una battuta, ragazzi. No. È vagabondo nel senso, scusa, se faccio una battuta, è un po' vagabondo, se vuol dire che corre dalla mattina alla sera. Semplice. Non sono inquieto. Mais là, je vous mens. Parce que quand un joueur sort, je suis toujours inquiet. Oui, désolé pour lui. Et tout le monde sont restés un peu préoccupés pour lui parce que c'est un bon garçon, c'est un joueur important pour cette équipe. Mais on a besoin d'attendre 24 heures, 48 heures pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour le match contre Chelsea. Je pense que demain ou après-demain, le staff médical. Avec le staff technique, vont prendre la décision pour lui. J'espère qu'il pourra jouer, parce que c'est un joueur important pour cette équipe. Et bien sûr, qui pour lui va être important aussi. Être là, c'est l'essentiel. Non, après, on est amis. Après, maintenant, ses déclarations, ça n'engage que lui. C'est flatteur aussi de sa part. Mais moi, il reste des matchs à jouer. Moi, mon objectif, c'est de remonter au classement avec l'Olympique de Marseille. Et voilà, aujourd'hui, je suis concentré sur les matchs et rien d'autre. Que penses-tu de Blaise Matuidi et quelle est sa force dans ce vestiaire de l'équipe de France et notamment son rôle en tant que cadre? Avant le match ou même à la mi-temps, il y a des mots forts. Il sait nous motiver. On l'a vu aussi, ce n'était pas évident aussi pour lui, comme tous les joueurs qui étaient sur le banc. Il est rentré, il a montré aussi la détermination et la détermination qu'il doit avoir tous les remplaçants quand ils vont rentrer, c'est-à-dire mouiller le maillot, se donner à fond pour l'équipe. Que concernant Blaise, j'ai échangé pas mal avec lui pendant ce stage. Au début du stage, c'est vrai qu'il était un peu préoccupé, il était assez pensif, mais ensuite il s'est très vite remobilisé. Et là, il est complètement dans le projet, il est complètement concerné par ce stage et il se pose plus de questions, il s'entraîne bien, il est là pour des objectifs bien précis et je pense qu'il est serein, qu'il se sent bien et que voilà, il se pose plus de questions dans sa tête et que tout est très clair pour lui. But I want to say something for this guy because je voudrais dire quand même quelque chose à Blaise. No, but it's in the nice way because this guy you have here a great player. Vous avez un super great joueur, man, aussi. Great example for French people. Un I super think gars parmi un bon exemple français pour les Français. Stay fits on the floor, work every day. Il travaille sans arrêt. 100%. Every day he tries to improve. Il essaye de progresser tous les jours. To give for the club good things. Il essaye de donner une bonne chose, une bonne attitude au club. I don't know. I feel that in my heart now. And I want je to sens say ça dans mon cœur et je voulais lui dire ça maintenant. I really like this guy and je l'adore. I think he has a great future for. Il a un futur incroyable. Pour le PSG, Vos enseignements, Didier, les vôtres, en tant que sélectionneur de l'équipe de France, on a vu un très bon Blaise Matuidi au milieu de terrain. Hein ouais, mais ça, c'est pas nouveau. Ouais. Non, j'ai pas dit que c'était une nouveauté. Ça m'inquiète un peu, pas dans son niveau de performance, mais comme il joue sans arrêt 90 ouais. minutes, tous les 3-4 jours, voilà, il est tellement généré, il fait tellement d'efforts. C'est sûr qu'il est en pleine forme, mais voilà, au moment, quand j'ai vu qu'il était au sol et qu'il y avait un changement qui se préparait, j'ai eu quelques frissons quand même, donc j'espère qu'il lui arrivera rien. Malheureusement, bon, Christophe Jallet s'est blessé. Clément Chantôme a fait aussi une bonne deuxième partie de match dans un rôle un peu plus axial où il est un peu plus à l'aise. Et puis Mamadou est rentré à la fin, mais il aurait certainement aimé jouer dès le départ. La dernière question. Moi, avec Blaise, j'ai une bonne relation. Si lui il me demande le conseil, moi je peux le conseiller surtout de rester ici. Parce que tout même, tu as dit, même si les années précédentes on avait des concurrences, même Rabiot il a joué beaucoup de matchs, Stambouli il a joué, même quand on était Johan il a joué aussi. Mais on a joué ensemble plus de fois, on a joué ensemble moi, Marco et Blaise. Et comme j'ai dit avant, le Paris Saint-Germain était un point fort, toujours à mon avis, et les statistiques le parlent comme ça. Un point fort de le Paris Saint-Germain, c'était aussi le milieu de terrain.
Et Blaise, je l'apprécie dehors de le terrain, mais je l'apprécie beaucoup dans le terrain. C'est quelqu'un qui fait un travail magnifique pour l'équipe. Surtout, il joue avec une mentalité positive pour l'équipe, pas pour lui-même. Et on a besoin de jouer comme ça. Pour ça, si quelqu'un me demande mon opinion, et lui-même, il veut avoir des conseils, pour dire, parce qu'il n'est pas un joueur jeune aussi, il a d'expérience, mais s'il veut un conseil, mon conseil est de rester ici, parce que c'est un joueur important. Aujourd'hui, il est aussi le troisième capitaine de l'équipe. C'est un joueur important. On perd un joueur comme ça maintenant, à mon avis, mon opinion, on perd beaucoup, ça c'est sûr.